My hormones jumping like a disco. I be popping mess like some Crisco. All you gotta say is miss it go. But when you say go, I'm ready to move slow. No. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur comment pêcher la carpe pour les débutants. Alors je vais présenter dans cette vidéo comment pêcher un étang avec les différentes sortes de montages à pas et comment repérer l'activité des poissons sur un étang. Alors tout d'abord, pour l'amorçage pour les débutants, un appât qui marche très très bien, c'est le frolic, les fameuses croquettes pour chiens, pas très cher. C'est super pour l'amorçage. Donc aussi, pour un accessoire que tous les pêcheurs ont dans leur boîte de pêche, ce sont les fameux maïs. Donc les maïs flottants, utilisés souvent pour décoller un peu les appâts ou ajouter une touche de visuel. Donc sur ces appâts, alors pour utiliser les faux maïs artificiels, il vous faut d'abord repérer les sources de nourriture dans l'étang, la couleur. Donc la couleur, s'il y a beaucoup de pression de pêche avec du maïs, vous utilisez du maïs jaune. Ensuite, s'il y a des petites baies rouges, des groseilles ou des trucs comme ça, vous allez utiliser ça, vu que la couleur rouge va avoir un impact sur la nourriture des carpes. Et ensuite, s'il y a des petites graines de roseau, utilisez des maïs blancs. Donc ces sortes de maïs, ce sont des très bons maïs. Moi j'utilise ça pour quasiment chaque de mes montages. Donc en niveau carpe, ça on en a assez. Ensuite, en bouillette, une bouillette qui peut très bien marcher dans tous les étangs. Ce sont des bouillettes tutti frutti. Vous prenez n'importe quelle sorte de marque. La marque, ça n'a pas d'importance. Après, c'est à vous de choisir la marque. Donc ça, ce sont des tutti frutti boostés qui me donne de très bons résultats. Et ensuite des bouillettes qui sont que j'utilise particulièrement pour l'automne et l'hiver, ce sont des bouillettes au crabe, donc des flottantes et des bouillettes qui ne flottent pas. Alors aussi pour l'amorçage sur toute la saison de votre pêche, vous pouvez utiliser les froliques, ça marchera toujours cet appât. Donc voilà, donc là après je vais vous montrer comment aborder un étang. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi ce poste là-bas sur la pointe. Donc c'est un poste où j'ai repéré de l'activité, des gobages, des bouillons. Donc les bouillons, ce sont des bulles qui sont en ligne. Donc ça veut dire que les carpes fouillent dans la vase. Aussi, comme vous pouvez le voir là sur le petit arbuste à votre droite, il y a des petites baies. Donc aussi, ça je pense que les carpes aiment bien la gobée. Donc je pense qu'ici c'est un très bon poste. Donc j'ai déjà touché une carpe de 5,8 kg. Elle m'a fait un joli départ. Puis une magnifique carpe. Bien piquée et elle est bien repartie. Comme vous pouvez le constater, là je viens d'avoir un départ. Donc c'était une carpe d'environ 6 kg. Donc ça c'est la bonne occasion pour vous montrer comment bien maîtriser le poisson. Donc alors, ce n'est jamais la peine de trop le tirer, il faut travailler le poisson. Car certains se montent en 20 kg ou 16 et qui craquent le poisson. Donc déjà, ça c'est très mauvais pour le poisson car vous allez lui arracher la gueule. Donc déjà là, il faut jouer avec votre frein. Vous pouvez voir, je vais le faire. Donc on va essayer de la mettre au sec et puis vous montrer comment s'occuper d'un poisson sur le tapis. Alors je vous l'ai dit, je vais vous expliquer comment maîtriser un poisson. Donc aussi le but du combo, ce n'est pas l'épuisette qui va au poisson, c'est le poisson qui va à l'épuisette. Car après elle va finir le combo sur le tapis et risque sûrement de s'abîmer. Alors là on va attendre un petit peu.
Les derniers rushs. Les alliés. Ouais. Donc voilà, toujours le poisson qui va à l'épuisette. Alors tout d'abord, pour commencer à prendre le poisson, pour commencer à prendre le poisson en main, vous commencez à enlever votre montre, tous les objets qui peuvent la blesser. Donc la montre, vous la mettez devant vous. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir là, cette carpe là, elle a été piquée sur la lèvre. Donc vous retirez le montage et ensuite vous le mettez hors de la carpe pour pas qu'elle se blesse avec le fil. Ensuite, pour manipuler le poisson, je vous conseille d'avoir un bac d'eau et de verser de l'eau sur la carpe pour pas qu'elle ne se sèche sur le tapis ou soit de mouiller le tapis bien avant. Alors, pour prendre la carpe, vous la prenez, vous la mettez en dehors de l'épuisette et vous retirez le filet. Voilà, une fois que la carpe est mise là, vous regardez le poisson. Et là, comme je viens de la piquer, vous pouvez le voir, elle a un petit trou. Donc pour le respect du poisson, je vous conseille d'acheter de la fluoroésienne. De la bétadine. Donc là, pour aller chercher quelque chose, vous refermez votre tapis pour pas que la carpe sorte. Et là, je vais aller chercher le poisson. Alors voilà, une carpe prise à la tutti comme je vous l'ai montré sur le début de la vidéo. Alors c'est une très jolie carpe de 5,8 kg. Donc après, si vous avez une carpe, commencez là à l'examiner un peu plus. Parce que des fois elle peut soit avoir des parasites ou soit avoir plusieurs blessures, donc vous pouvez mettre de la bétadine. Donc là on va prendre une belle photo et ensuite on ira la soigner. Donc alors, vu que la carpe a été piquée, comme vous pouvez le voir ici, vous allez utiliser de la bétadine et vous allez en appliquer un tout petit peu sur ses lèvres. Voilà. Et ensuite, vous appliquez la bétadine et vous pouvez commencer à la remettre à l'eau. Donc voilà, pour la remise à l'eau de la carpe, vous mettez votre tapis à l'eau, donc vous commencez à prendre la carpe, à la sortir délicatement, et ensuite pour qu'elle commence à reprendre ses esprits, vous allez faire des va-et-vient avec sa queue et elle repart tout doucement. Après cette carpe de 5,8 kg prise au tutti frutti et myrtille, je vais vous montrer quel montage j'ai utilisé pour pêcher cette carpe et quel appât et comment enfiler une bouillette sur l'appât. Donc tout d'abord, vous prenez votre cheveu que vous avez réalisé sur votre montage. Vous enfilez les bouillettes sur votre aiguille et vous faites coulisser toutes vos bouillettes sur le cheveu, délicatement. Donc ensuite, comme tout pêcheur doit avoir, et tout le monde le sait normalement, pour une fois que vous avez mis votre bouillette, vous allez utiliser un petit stop-appa, ça coûte 2 € au marché. Donc vous allez le passer dans la boucle pour stopper la bouillette. Et ensuite vous allez tirer. Voilà. Donc là, elle est bien mise, c'est bon. Ce montage-là, il est prêt à pêcher. Donc, pour raccorder le montage, j'ai mis une agrafe rapide que j'ai protégée avec une gaine. Donc vous prenez des gaines en silicone. Ensuite, j'utilise du lait de corps avec un clip plomb et un plomb de 45 grammes car le fond est assez vaseux. Donc pour l'amorçage de mes bouillettes, j'ai utilisé les mêmes appâts en 22 mm et en 10 mm pour différentes carpes. Donc après, je vous conseille d'avoir une boîte avec plusieurs petits stop-appa de toutes sortes, des stop-appa pour raccorder la longueur de votre cheveu, des courts,
Il existe une dizaine de sortes. Surtout aussi une chose particulièrement qu'on peut utiliser pour la pêche, c'est un petit foret, donc vous pouvez en prendre dans les caisses à bricolage et tout. Ça marche très bien pour forer les pelets. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Alors aussi, je vous conseille comme appât, excusez-moi, comme swinger. Ce sont des swingers coulissants. Donc il y en a de toutes sortes pour tous les prix. Donc ce petit outil va vous servir à détecter les touches. Donc vous prenez là et vous le clipez sur votre ligne. Donc voilà. Ensuite, vous le réglez à la même longueur que l'autre et vous pouvez allumer votre détecteur. Donc en fait, cet outil va servir, par exemple, vous voyez, si je vais provoquer une touche avec ma main, le truc va se lever. Donc ça va vous servir aussi pour les touches retour et plein d'autres trucs. Donc allez. Alors on va terminer cette vidéo par une carpe de 5,8 kg. J'espère que cette vidéo va vous servir à vous améliorer dans vos prochaines parties de pêche. Alors ce que je propose de faire, c'est de faire dans une semaine ou deux après avoir posté cette vidéo, comment réaliser des montages des rigs pour les pop-up, des montages normaux pour pêcher la carpe. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis ciao.